Marsha Famenn a prouvé depuis bien longtemps qu'elle s'intéresse aux évolutions numériques et aux opportunités qu'elle crée pour les pouvoirs locaux. Un centre de support télématique y a depuis bien longtemps été créé, et la ville a aussi été l'une des premières à s'armer d'un Smart City Manager. Mais ces dernières années, la donne a quelque peu changé, puisqu'il est désormais plutôt question de Smart Human City. La ville ajoute ainsi la dimension humaine qui manquait encore jusque-là au projet de développement. En 2016, une roadmap a donc été rédigée qui a permis de fixer de grands objectifs où, à chaque étape, la participation et la consultation citoyenne prend toute son importance. Et aujourd'hui, il est également question de créer un centre de créativité numérique. Tout cela et bien plus sera bientôt présenté dans un prochain numéro du mouvement communal. En attendant, nous avons rencontré Anna Aguirre, Smart City Manager de la ville, qui nous délivre ici son avis sur la Smart City attitude. On a fait en 2016 une roadmap où on a vu les spécificités de marche et vers quoi on voulait aller. Ce qui est sorti de cette étude-là, qui a été fait en table ronde en consultant des entreprises, mais aussi des associations et autres, c'est qu'on appelait ça « Smart Human City ». Donc marche ne veut pas être juste une ville numérique, elle doit mettre l'accent sur le numérique au service du citoyen. On a un gros projet qui s'appelle « Un tiers-lieu ». Donc c'est un projet de coworking et de Fab Lab, mais aussi un espace de rencontres. Et aussi un autre projet pour les citoyens, c'est celui d'une consultation. Donc il y a une place de foire ici à Marche qui est vraiment très très connue et qui, voilà, donc on aimerait bien pouvoir profiter de cette place-là pour tout ce qui est animation marchoise. Il y a un concours des architectes, les architectes ont mis des plans et maintenant on va être soumis au vote des gens pour le faire. La technologie n'est pas une finalité en soi, mais il faut savoir que de toute façon il va falloir faire plus avec moins, donc les technologies doivent aussi servir à ça. Je pense que les Fab Labs démontrent bien cela et notre volonté, c'est quand même tout ce qui est outillage et autres, c'est quand même s'en inspirer des gens. Ce n'est pas, on n'est pas la science exacte. Donc c'est quand même consulter, travailler un peu en communauté. On a tous fait des réunions PCDR et autres, enfin, les villes de notre taille, et on se rend compte qu'on touche toujours un peu les mêmes personnes. Donc on peut aussi ouvrir ça. L'un n'exclut pas l'autre, c'est juste une inclusion de tout le monde via les nouvelles technologies. Maintenant, tout ne doit pas être fait en même temps. C'est à ça que sert une roadmap. Une roadmap, c'est de dire, ben voilà, j'aimerais bien atteindre ceci. Avec tout ce qui nous arrive, avec les PST, avec les RGPD, avec tout ça, ben voilà, ça fait réfléchir, c'est un moment charnière, et voilà, il faut qu'on se lance. Si on ne le fait pas nous, d'autres le feront. Donc il faut qu'on soit maître de nos données, de nos envies, de nos citoyens, de travailler en synergie avec tout le monde.